Puis il y a d'autres traductions de moi, excellentes, qui ont été faites par Verdevoix, par Caillois, par un autre grand ami à moi, Pierre Bénichoux, que vous connaissez peut-être. Mais cette traduction de poème sera faite par Néstor Ibarra. Et il a déjà discuté avec moi quelques points qui lui semblaient obscurs. Et il a trouvé des solutions très très brillantes. Est-ce que pour ce poème. Vous écrivez en français directement, ça vous est déjà arrivé? Il y a des textes que vous avez faits directement en français? Oui, mais il y a si longtemps de cela, c'était quand je faisais mon bachot à Genève. Alors évidemment, je lisais, comme je lis encore, Verlaine et Baudelaire, et j'ai fait quelques expériences. Je rédigeais des sonnets assez médiocres d'ailleurs, en français et en anglais. Mais après ça, je n'oserais pas écrire en français. J'ai un sens de la responsabilité que je n'avais pas alors. C'est-à-dire, je pense que je peux rédiger des textes tolérables, disons, ou pardonnables en espagnol, mais non pas dans une autre langue. J'ai commis l'imprudence de publier 2 ou 3 pièces en anglais. Mais après ça, je me repentis, non? Je crois que pour écrire dans une langue, il faut la connaître profondément, non? Évidemment, l'espagnol est la langue que je connais le plus. C'est ma langue maternelle. En général, estimez-vous que vous êtes bien traduit en français? Oui. Et avez-vous eu la bonne fortune d'être bien traduit dans toutes les langues dans lesquelles vous avez été traduit? Enfin, ce n'était pas toujours. J'ai eu de petites difficultés, de petits embarras en lisant les traductions anglaises et allemande. En anglais, il y a évidemment un piège. Comme vous savez, l'anglais a un double registre, c'est-à-dire il y a des mots germaniques et des mots latins. Alors, le traducteur d'un texte espagnol tend, par paresse, par respect, à traduire dans des mots latins. Et cela peut rendre la traduction un peu pédantesque. Eh bien, j'invente un exemple. Imaginons que j'écris en espagnol una habitación oscura. Eh bien, si le traducteur anglais traduit an obscure habitation, alors il écrit dans une sorte de jargon, car cela est tout à fait artificiel en anglais. Je crois que dans ce cas-là, il faudrait traduire tout simplement avec des mots saxons a dark room, une chambre obscure. Cela est tout simple et tout naturel en anglais. Mais comme le traducteur voit le mot « oscura », cela lui fait penser à « obscure » et « habitation », cela lui fait penser à « habitation », alors il tend à traduire « an obscure habitation », alors cela sonne faux. Cela donne un air pédantesque au texte qui n'existe pas dans le texte original. Et puis, dans le cas de traduction allemande, j'ai vu parfois se glisser quelques petites erreurs, surtout dans une histoire que j'écris un peu dans l'argot de Buenos Aires, Hombre de l'esquina rosada, ou plutôt dans l'argot que l'on parlait il y a 50 ans. Alors évidemment là, il serait agi de trouver un argentin, un vieil argentin, et de consulter avec lui, et non pas de traduire à coup de dictionnaire, parce qu'on a commis quelques erreurs. Mais en général, j'ai l'impression que les traductions sont bonnes, et surtout celles que j'ai pu examiner de plus près, c'est-à-dire les traductions étaient françaises. Mais je suis très reconnaissant envers tous mes traducteurs, je ne voudrais rien dire contre personne. Pour nous, Français, je crois qu'on peut dire que ce qui a beaucoup porté l'attention sur vos œuvres, c'est un peu le goût que nous avons de la logique et le goût des mathématiques modernes. Oui, cela est très possible. Je ne crois pas être un bon mathématicien, mais j'ai lu et j'ai relu ce qui est plus important, Poincaré, Russell et quelques autres mathématiciens. Tout cela m'a attiré de la même façon, par exemple, que j'ai donné des conférences à Buenos Aires sur les paradoxes héliatiques. C'est-à-dire les mathématiques et la philosophie, la métaphysique, cela m'a toujours intéressé.
Je ne dirais pas que je suis un mathématicien ou un philosophe, mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques et dans la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus, pour la littérature fantastique. Alors, moi, je me vois plutôt comme un poète, comme un homme de lettres qui a entrevu les avantages, les possibilités des sciences pour l'imagination, surtout pour l'imagination littéraire. Oui, parce que justement, le mathématicien Guilbeault a fait remarquer que quand on parle de science-fiction, d'habitude, il s'agit toujours oui. de physique. Mais des oui, fois, j'ai entendu cela le samedi, précisément. Voilà. Mais dans votre cas, justement, on pourrait dire qu'on se rapproche un peu de la science-fiction, mais il s'agit de mathématiques. Oui, des mathématiques. D'ailleurs, moi, je m'y connais fort peu, encore moins qu'en mathématiques ou en philosophie. Je m'y connais fort peu en physique, en chimie, et même en arithmétique. Dans le temps, j'étais passionné de l'algèbre. L'arithmétique, moi, c'était toujours ennuyé un peu. Et l'algèbre, non, je l'aimais beaucoup. J'étais, enfin, je peux le dire avec modestie, j'étais un bon algébriste, un mauvais arithméticien, et je n'ai presque rien compris à la physique ou à la chimie. J'aurais dû m'intéresser aux expériences qu'on fait à ce temps pour arriver à la Lune, etc. Mais tout cela avait été tellement dépassé par l'imagination littéraire, oui. par les écrivains comme Wells, etc., que la réalité m'a moins ému qu'elle n'aurait dû été m'émouvoir. Par exemple, quand vous avez écrit La bibliothèque de Babel, est-ce que vous êtes parti d'une idée mathématique précise? Oui, c'est l'idée du jeu combinatoire. Mais dans La bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a deux idées. D'abord, il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne, qui est un lieu commun, l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, il y a eu aussi, sans doute, sans que je m'en trouble beaucoup, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise et ne pas savoir quelle est la vraie des solutions, c'est-à-dire dans ces contes-là, et je l'espère dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle et puis il y a l'autre partie qui est plus importante, je pense, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère mystérieux de l'univers, du temps et ce qui est plus important de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non? Je crois que dans tous mes contes, on trouve ces deux éléments. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Il y a une nécessité, si le mot n'est pas trop fort, qui m'a été poussé à les écrire. Et puis, je me suis amusé aussi, parce que cette corvée, enfin, d'écrire un conte, cela n'a pas été seulement une corvée, je me suis amusé aussi. C'était un jeu, un peu comme le cas d'un joueur d'échecs, par exemple, non? Il y a là un problème, il y a un amusement et une joie aussi.